Bah, moi je m'entraîne pas. J'avais décidé à Genève et je travaille sur la santé. Et puis samedi dimanche quand il y a des compétitions, je fais une compétition. Quoi. Tu t'entraînes pas plus que ça? Non. Oui, bonjour. Bah, l'image de ma victoire, c'est pour moi, c'est comme c'est la première expérience, première longue distance, ça m'a fait plaisir de voir aujourd'hui et ça m'a fait. Je vous dis, c'est on va faire quelque chose d'extraordinaire. 5, 4, 3, 2, 1, go! La possibilité d'arrêter trois endroits, ou Courmayeur, ou Champé, ou Chamonix. Bah, moi, comme je ne savais pas du tout, jusqu'à là, le plus long que j'ai fait, c'est de 70 km et j'ai dit bon, je prends le départ et puis on va aller jusqu'à où je peux aller. Quoi. Et puis finalement, petit à petit, j'ai élevé jusqu'à bout, je suis content. C'est la première course que j'ai gagnée depuis chaque fois, même si j'ai pas participé chaque année, même si quelques fois j'ai abandonné. Pour moi, ça reste comme une course réputée mondialement. Et pour cette raison-là, et aussi, bah, ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde. Namaste. Bravo, Jeff. Merci. Bravo. Pour moi, si je gagne, ça m'a fait plaisir. Si je gagne pas, ça m'en fait toujours plaisir. Bravo. Allez, 5 minutes, ouais. Même pas 3 minutes le col. Dans le dernier kilomètre, bah, j'ai beaucoup pensé à des gens qui sont derrière parce que comme il faisait tellement la condition météo tellement épouvantable, j'ai beaucoup pensé à des gens qui sont derrière et aussi des gens qui sont chargés de ravitaillement. Et quand j'ai couru avec les enfants à la fin vers l'arrivée depuis Bois de Boucher dans la pluie torrentielle, tous les enfants de Chamonix qui sont venus m'accueillir là-haut, c'était une grande expérience et très, très fort. Personnellement, c'est très fort. Quoi. Merci. Merci, à bientôt à Chamonix.